D'avoir des profils compliqués. Donc ça tombe bien, parce qu'il a 20 minutes pour nous expliquer qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il est là. Donc je voudrais remercier, comme d'habitude, l'équipe, la mienne, l'équipe de la Kélite, qui a été super, et puis le sponsor passant, qui est Milan. Et j'espère que je n'oublie personne. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, je passe le micro à Camille. Bonjour, merci à vous d'être venu si tôt. Merci Nicolas pour l'invitation. Donc je m'appelle Camille Aran, alias Mamik. Donc, résumé, on va dire que pour faire simple, je suis un geek. Alors je suis un geek d'une génération un petit peu bien, c'est-à-dire ceux qui ont grandi en même temps qu'Internet et qui ont grandi en même temps que l'arrivée de l'informatique dans les foyers. Moi j'habitais à la campagne dans un milieu où il n'y avait pas du tout de place pour tout ce qui était technologie, high-tech à la campagne à côté de Toulouse. On allait chercher le lait à pied à la ferme d'à côté, on avait des lapins, des chèvres, etc. Et en même temps, c'est l'époque, c'était le milieu des années 80 où on commençait à faire rentrer l'informatique en masse dans les écoles, c'était les plans Fabius, je ne sais plus quoi, 85, 86, voilà. Et donc on a appris vraiment l'informatique à la dure, en bas niveau, c'est-à-dire que toutes les couches d'interface et toute l'abstraction qu'on a aujourd'hui avec les machines, c'était vraiment pour faire un cercle, il fallait faire une boucle, c'est-à-dire avec un cosinus, etc. Donc j'ai grandi en pensant à l'informatique en même temps qu'Internet s'est développé. Et j'ai aussi parlé sur d'autres domaines que l'informatique par la suite. J'ai vraiment dû m'y mettre, je pense en particulier au droit d'auteur et à l'économie. Je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même approche selon qu'on a grandir en même temps quelque chose qu'on l'a subi parce qu'on l'a vu arriver ou qu'on a baigné dedans depuis qu'on était petit, comme ceux qui aujourd'hui naissent avec des tablettes tactiles entre les doigts ou ceux qui ont subi l'arrivée de l'informatique et d'Internet dans leur vie professionnelle ou économiquement. Mon père était journaliste, donc on avait aussi un Atari à la maison, fin des années 80, début des années 90, puis une Intel. Donc je m'intéressais beaucoup à la technologie, mais pas la technologie pour la technologie. J'essayais toujours de pousser l'abstraction, de le détacher de cette dimension au froid des mathématiques pour essayer d'appliquer dans les domaines les plus abstraits, notamment tout ce qui était artistique. Et si tu sais pas, biologie, astronomie, informatique. Et puis après ça, j'ai fait fac d'art plastique pour Mirail, ici à côté à Toulouse. Donc je faisais des trucs très plastiques, donc je m'en vite fait, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est pour illustrer un petit peu l'éventail de activités par lesquelles je suis passé. Donc par exemple, je faisais des trucs très plastiques, donc, du genre transformer un aspirateur Moulinex en Milinex. Et après, je mettais en scène comme ça, donc là, je faisais un petit peu intervenir à l'outil informatique. Après, je faisais des trucs un petit peu intermédiaires. C'est-à-dire, c'est pas vraiment purement informatique, mais c'était tout ce qu'on appelle musique assistée par ordinateur, graphique, c'est-à-dire assistée par ordinateur, vidéo, etc. Donc là, par exemple, je m'étais pris en photo dans un sac en plastique,
et je l'avais animé, et j'allais jusqu'à faire donc des tentatives complètement conceptuelles. Donc j'essayais de faire des, par exemple des poèmes de métaphysique en code source dans des langages qui n'existaient pas non plus. Donc voilà, c'est à peu près pour montrer l'éventail de choses qui m'amusaient. Donc ça, c'était au milieu des années 2000. Et en même temps, donc, Internet se développait et arrivait en masse des ordinateurs dans les foyers. Et donc, j'étais vraiment fasciné par cette dimension aventure humaine, collaboratif en ligne avec des gens au bout du monde, le partage, le gratuit, etc. Donc, le logiciel, commencer évidemment par le logiciel qui était le milieu le plus mature, et en même temps j'essayais d'autres domaines un peu plus orientés contenu, connaissances, donc Wikipédia et Creative Commons. Après le début des années 2000, je me suis beaucoup investi dans ces mouvements-là, et en même temps je travaillais dans le cinéma d'animation, donc en fait je développais du logiciel libre pour le cinéma d'animation, donc j'étais confronté à un monde plus traditionnel, on va dire, du visuel, du cinéma, tout en étant confronté aux contraintes économiques. En comparaison au logiciel qui était déjà très mature à l'époque et qui aujourd'hui est peut-être le seul domaine de partage qui soit vraiment mature dans tous les domaines, dans tous les aspects économiques. Donc, je me rendais bien compte qu'il y a des choses qui manquaient, qu'il fallait développer la dimension économique de partage de la culture. Mais j'étais pas très inquiet parce que quand on regarde les choses avec un petit peu de distance, on se rend compte qu'effectivement, Internet met à mal le contrôle de la copie, donc tous les modèles traditionnels de la diffusion de contenu sont basés sur le contrôle de la copie, donc entrer au cinéma, alors on achète un livre, on achète un DVD, etc. Donc Internet casse tout ça. Dès que quelqu'un met un contenu en ligne, tout le monde peut y accéder gratuitement, que ça nous plaise ou non, légalement ou pas. Donc effectivement, ça pose un problème de modèle économique, mais dans le fond, quand on regarde la situation avec un peu de recul, on voit qu'il y a des gens qui veulent tous les jours découvrir de nouveaux contenus, et d'autre côté, des gens qui veulent en créer. Donc en fait, on a un marché, on n'a pas de problème de marché, on a un problème de modèle économique. Et donc pour ça, j'ai lu ça avec, en faisant référence à l'époque de la prohibition. Même quand un marché existe, même si on veut le tuer, on n'arrive pas à le tuer. C'est-à-dire qu'on est condamné à l'utiliser. Et donc je pensais que les choses allaient s'arranger. Je voyais qu'il y avait des crispations, effectivement. Les milieux traditionnels de la production à fond de contenu s'en prenaient de façon plus en plus virulente dans Internet et Internet. Pour moi, le déclencheur, ça a été la loi d'Annecy, c'était 2005-2006, c'était avant Google. Où je me suis vraiment senti agressé en tant que geek. Et voilà, j'ai vraiment le sentiment que ceux qui sont dans la cour des comptes, ils viennent casser mon jouet, casser Internet. J'ai été aussi assez déçu de la puissance des politiques à défendre les libertés individuelles et Internet. En même temps, j'ai constaté la puissance des grands intérêts et de l'argent pour attaquer les libertés. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vu que la politique n'est pas vraiment très efficace pour les défendre et que l'argent est quand même un outil assez puissant pour attaquer les libertés, peut-être qu'on peut aussi défendre les libertés avec l'argent. Donc, du coup, je me suis dit, bon, mais étant donné qu'on n'a pas de modèle économique pour la création, je vais marcher sur le sujet. Donc, je me suis mis là-dedans. Et donc, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Youb, dans laquelle j'ai rassemblé un petit peu toutes les expériences que j'avais eues depuis les débuts de mon expérience professionnelle, logicielle et autres. Et j'ai rassemblé un peu tous les outils qui m'apportent toutes les expériences que j'avais faites, que j'avais observées, auxquelles j'avais participé, que j'avais croyé intéressantes. J'ai tout mis dans cette boîte pour en faire une plateforme d'expérimentation pour faire émerger des nouveaux modèles économiques par la création. Mais j'ai réussi, je pense, à réussir à identifier le plus petit dénominateur commun qu'il puisse y avoir entre toutes ces économies du gratuit et du partage, en partant exactement du même constat que les majors et l'industrie du divertissement, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'un contenu a été mis pour la première fois sur Internet, on peut toujours payer accéder gratuitement, on ne peut pas l'empêcher. Donc, à la base de la diffusion, on ne contrôle plus le contenu. Donc, leur logique, c'est de rétablir ce contrôle. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de déplacer le contrôle en amont, c'est-à-dire là où on contrôle encore les choses, c'est-à-dire avant la diffusion ou avant la création du contenu. Donc c'est quelque chose que j'arrête, c'est le déplacement du niveau de financement de vers l'amont, que des fois je résume en disant de peut-être gratuit que ce qui a déjà été payé, seul ce qui n'existe pas encore est piratable. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de définition pour tout ça. On appelle ça évidemment maintenant le crowdfunding. En général, ça se présente avec des jauges de financement. On dit ça, j'ai un projet, j'ai une idée, je veux arriver à tel montant pour réaliser mon projet. Il faut des problèmes de dons et les jauges avancent. Et si on arrive à réaliser la somme, on réalise le projet.
Donc ça, c'est vraiment l'idée principale. Alors j'ai choisi le site web d'un groupe de musique qui s'appelle Vubiz. Parce que d'abord, ils utilisent une bonne partie des outils que j'ai développés sur la plateforme Look. Donc voilà, ils ont mis une jauge qui indique le financement généré par les revenus de leur création. À chaque fois qu'il y a une étape, ils indiquent ce qui va se passer. Donc eux, ils ont décidé de créer du nouveau contenu, donc l'enregistrement de nouveaux titres. Ça peut aussi être la diffusion d'un contenu déjà existant mais qui n'a pas été encore montré au public, ou l'assouplissement de droits d'auteur. C'est aussi quelque chose qui est permis par la plateforme, c'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, les gens n'ont pas le droit de pirater, ils n'ont pas le droit de copier, mais à partir du moment où je suis en train de mes faits, bah, à ce moment-là, je change de licence au travers des licences libres et je leur donne le droit de copier. Donc en fait, voilà, la jauge indique tous les revenus générés par la création. Donc il y a plusieurs parties, il y a plusieurs produits qui permettent de participer à la création. Donc une partie mécénat, on voit très bien se couper. Donc en fait, ça représente une porte d'arcade et on voit les petits euros qui vont remplir la jauge. On peut écouter la musique, mais aussi on peut payer pour la télécharger en haute résolution. Alors vous me direz, mais une fois qu'elle peut la télécharger une fois, elle peut la mettre gratuite pour tout le monde et plus personne ne paye. C'est vrai, sauf que comme on l'indique, on apporte beaucoup de transparence, on dit à quoi va servir l'argent. Tout le monde a intérêt à ce que tout le monde paye. Donc même si c'est du partage, il se fera de façon, on va dire, avec une responsabilisation virale par rapport à la conscience du financement de la création, tout en sachant qu'une fois que tout a été, que la jauge est remplie, tout le monde équipe d'une certaine manière. Donc en fait, ça m'a attiré des gens qui avaient des centres d'intérêt qui n'étaient pas du tout ceux que j'avais prévu au départ. Donc c'est arrivé quand même, tout ce qui était humanitaire, transparence, économie sociale et solidaire, commerce équitable, monnaie complémentaire, ce genre de choses, même anti-corruption, même du droit à tout. Et donc du coup, j'ai identifié un autre dénominateur commun encore plus restreint par rapport à toute cette expérience. Toutes les expériences que j'ai menées sur Look et toutes les choses qui sont venues en moi auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont plus en fait orientées vers la transparence, parce qu'en fait le crowdfunding c'est une forme de transparence, ça veut dire on dit aux gens à quoi va servir leur argent, donc ça les motive pour donner. Et donc en fait je suis en train de tout redéfausser et tout reconstruire par une plateforme qui servirait donc essentiellement à apporter une couche de transparence par rapport aux dépenses des internautes en ligne, c'est-à-dire à qui va l'argent, pourquoi, dans quelle proportion, est-ce que les gens ont bien reçu l'argent, pour quel projet, modèle de financement de tel projet ou autre. Si vous me suivez sur Twitter, vous serez devenu courant prochainement si vous voulez vous soutenir que je suis en train de développer. Merci Camille. Vous connaissez le format, si vous avez des questions évidemment, pas moi je trouve ça génial parce que j'avais un peu peur, un geek déjà m'expliquait ce qu'il faisait, je ne comprenais pas très bien. C'est le geek le plus intelligible que je n'ai pas rencontré depuis longtemps, donc merci pour tout ça. Mais en fait il y a peut-être encore des questions quand même. L'idée c'est il reste des abricots, on va pas faire des confitures, donc manger, et puis on a jusque 10h15, à 10h15 on va commencer à retourner bosser par exemple, ou faire des choses comme ça. Ah bon. Il y a du café. J'ai deux questions. Pour vous, quel est votre modèle économique pour vivre pour vous, d'abord, et ensuite, est-ce que la plateforme que vous avez créée est peut être utilisée de façon assez facile pour justement faire du crowdfunding, voire du mécénat, et comment on a enfin, moi, j'ai une recherche dans ce domaine du mécénat pour des expositions dans le domaine du développement durable. Comment, au-delà d'un site relativement peu connu, on arrive à faire venir des mécènes? Donc, en ce qui concerne mon modèle économique, ça n'a pas été du tout comme j'avais prévu au départ non plus. Donc, en fait, je pensais prendre un pourcentage sur les revenus générés par la plateforme au début. Et en fait, ça s'est très rapidement orienté, vu que j'ai des requêtes qui ne correspondaient pas vraiment à ce pour quoi était faite la plateforme au départ. J'ai dû dire, tant pis la plateforme, alors j'ai des demandes un peu différentes, donc on va repartir à zéro. Souvent, j'aurais développé à partir de zéro des solutions. C'est ça qui m'a permis d'identifier les nouveaux outils dont j'aurais besoin par la suite. Donc en fait j'ai plutôt fait du service, en fait c'est essentiellement du développement, du conseil, formation, ce genre de choses. Donc en fait le modèle économique c'est plus très rapidement réorienté vers le service, actuellement c'est ça qui est le plus important. Ce sera aussi le cas au départ pour la prochaine plateforme, mais par contre ça risque de s'orienter sur quelque chose d'un peu plus récurrent, un peu plus
sous forme d'abonnement ou ce genre de choses pour la prochaine plateforme. Donc ça, c'est pour ma partie. Ensuite, est-ce que c'est facile à utiliser? Ben non, pas autant que j'aurais voulu. C'est aussi pour ça que je suis en train de tout refaire, parce qu'en fait, j'ai tout, j'ai tout essayé. Et bon, c'est devenu un petit peu rugueux quand même. Donc en général, les gens, ils essayent d'envoyer 2-3 trucs et puis ils me contactent et puis je leur dis moi, c'est bon. À refaire quelque chose à partir de zéro, parce que bah, sauf sur des cas très spécifiques vraiment parce que j'avais voulu faire au départ, et souvent je refais les choses à partir de zéro. Ensuite, par rapport à tout ce qui est ce qui est crowdfunding, essentiellement c'est vrai, c'est beaucoup de com, beaucoup de marketing, et c'est quelque chose sur lequel je suis nul. Du coup, c'est pour ça aussi que mes outils sont en marque blanche et que bon, en général, je renvoie vers les personnes qui savent faire ça. Je ne suis pas du tout aussi portail comme peuvent être certains sites de crowdfunding, dont la valeur ajoutée est vraiment l'audience. En fait, ils vont apporter une audience, une image de marque, une donnée, une éditoriale, etc. Là où je suis vraiment beaucoup plus bas niveau dans la tuyauterie, je veux que les prochains outils sont faits uniquement pour les développeurs. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas du tout aux gens qui font du marketing ou autre, je m'adresse à ceux qui ont des vrais problèmes techniques comme les miens que j'ai quotidiennement et qui ont besoin de développer des solutions et de mettre en relation les flux financiers, la transparence, etc. Donc, le prochain outil correspondra certainement mieux à vos demandes, mais malgré tout, il y a certaines choses que je me défends de faire. Parce que je ne sais pas bien, puis parce que je pense que c'est pas bien qui sert. Il faut mieux faire ce qu'on sait faire vraiment et laisser le reste de côté. Donc, tout ce qui est trouver des mécènes, etc., c'est de la com. C'est des marketing, c'est quelque chose que. Je sais faire qui envoyer les gens pour faire ça, mais moi je le fais pas. Et ensuite, oui, donc c'est pas très facile à utiliser parce qu'effectivement, ça c'est pas très facile à utiliser en relatif. Mais c'est un peu moins facile que d'autres plateformes. Parce que moi je suis tout seul pour le faire, c'est expérimental, j'ai tout fait et pas toujours très. J'ai pas toujours fignolé comme j'aurais voulu. Avec le recul, j'ai vraiment dépensé pas mal d'énergie à faire plein de choses, mais je ne regrette pas vraiment. Je ne regrette pas que la prochaine solution que j'ai en train de préparer est parfaite, mais elle est largement mieux que l'autre. Et comme disait Saint-Exupéry, la perfection n'est atteinte que, non pas quand on n'a plus rien à rajouter, mais quand on n'a plus rien à enlever. Et je pense que c'est à peu près le chemin que j'ai fait, j'ai tout mis. Vraiment trop, et puis j'ai enlevé au fur et à mesure, et là il me reste quelque chose qui est vraiment l'outil dont vraiment j'ai besoin et qui correspond au monde que j'ai autour de moi. Donc voilà où je suis. Alors, en fait, moi ça va être une question simple, est-ce que ça marche pour le financement des projets? Est-ce que ça marche à long terme sur les gens avec qui il a travaillé? Est-ce que ça a effectivement permis de sortir des choses et de produire des choses? Et résultat, la question qui va avec, c'est est-ce que tu as une idée de la part pour un projet représente ton financement participatif par rapport aux autres financements qui sont récupérés par les lobbyistes, par exemple. Soit les financements nécessaires. Enfin, je ne pense pas que le crowdfunding permet de financer 100% du projet. Est-ce que tu as une idée de la part sur un projet comme les lobbyistes, par exemple, pour pas de pourcentage, mais vraiment de part, le financement participatif compte, mais aussi le financement de plusieurs valeurs de l'euro. Alors ça c'est important effectivement, la dimension autre que le crowdfunding, parce que c'est quelque chose qui marche très bien aux États-Unis par exemple, qui marche mieux, beaucoup mieux qu'ici, parce qu'il y a la culture là-bas c'est un petit peu, on fait comme on veut, si on ne veut pas participer à la culture bien commun, on ne le fait pas, c'est pas du tout la mentalité ici, on considère que les gens doivent participer par les impôts, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, qu'il n'y a pas que les braves gens qui participent au financement de la création, que les gens sont obligés et qu'après on redistribue quoi, de telle manière ou par des subventions par exemple. Alors, je ne sais pas combien ils ont de subventions. Pour le cinéma par exemple, il y avait plein d'autres projets de cinéma qui étaient beaucoup plus conséquents au niveau subvention parce que tout le même budget. Pour le cinéma, je ne peux pas sortir des chiffres comme ça, mais je sais que la partie crowdfunding elle était plus symbolique sur le cinéma par contre. Bon, d'un point de vue, comme tu disais, qu'est-ce qui a abouti pour moi, ce qui a abouti essentiellement. C'est d'arriver à prouver certaines choses. Je ne peux pas dire qu'il y a des projets qui ont un succès et qui ont envie, mais par contre, directement avec la plateforme, on va dire, parce que en réalité, souvent, je disais, on refait à partir de zéro. Un des exemples les plus parlants, c'est le site J'aime l'info de Auré89, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un site de crowdfunding donc, que j'ai développé, qui m'ont demandé de développer parce que j'avais développé ça. Donc en fait, ça fait partie des autres cas de figure où
mon outil n'était pas vraiment au point, on m'a demandé d'en faire d'autres. C'est vrai, j'ai eu plus de cas comme ça où j'ai dû refaire des choses pour les autres. Il y a eu des projets qui ont eu un certain succès, notamment quelques projets financés par la plateforme J'aime Info, mais c'est pas quelque chose, des choses que je peux attribuer à un succès de l'auteur. On va dire que c'est relatif, par contre, comme ça fait plein de choses, ça a permis de trouver un certain nombre de volets. Par rapport au cinéma, il y a VOD équitable, donc en fait, c'est un petit peu sur le même principe que tout à l'heure, le jeu, sauf qu'en fait, on libère le film. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait des vastes communiquants entre le DVD et la VOD, alors que théoriquement, c'était justement l'inverse, c'était on disait. Les gens n'achèteront plus de DVD parce qu'ils ont accédé à des fichiers rapidement sur Internet. Donc on a réussi à montrer que ce n'était pas vrai. Donc, c'est plutôt sur des modestes expérimentations comme ça que le succès direct de la plateforme pour moi se démontre. Et après, dans d'autres projets auto, mais que je ne peux pas m'attribuer totalement parce que justement, ils n'ont pas forcément toujours utilisé l'outil. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire cette plateforme-là, tout compte qu'on dit que soit aujourd'hui une dimension gadget, enfin, je ne sais pas. Ah oui, complètement, le gadget expérimental, c'est un outil expérimental, c'est revendiqué comme tel. Par contre, la suite, quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus une dimension industrielle, et qui est le fruit justement de ces expérimentations, c'était depuis cette école, c'était vraiment expérimenté. Pour construire ta plateforme, tu es parti du modèle économique, tu as commencé à construire, à développer, et après, quand c'est le modèle économique. Non, justement, alors ça, c'est. Donc justement, ça c'est des erreurs que j'ai commises, mais en même temps, j'y connaissais rien au début, j'étais vraiment. C'était très théorique tout ça pour moi. L'idée est venue, alors j'aurais voulu vous montrer, j'ai pas pu te montrer, de l'histoire de Blender, donc je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel de 3D qui était gratuit mais qui n'était pas libre, qui était un logiciel propriétaire à l'époque, mais qu'on pouvait utiliser pour la plupart des fonctionnalités gratuitement. C'était fin des années 90, début 2000. Et en 2002, la boîte a coulé. Et donc, comme c'était un logiciel qui est disponible sous Linux, tous les fans de logiciels libres ont dit ben, donnez-nous la source, tant pis, c'est la boîte à coulé, c'est dommage, mais au moins, il n'y a que le logiciel survivre. Et les autres ont dit non, on peut faire un coup de la boîte, on ne vous donne rien. C'est notre truc, c'est mon sou. Et donc, la personne qui avait monté cette boîte a essayé quand même de sauver le logiciel. Il a demandé à ses actionnaires mais combien vous voulez pour qu'on puisse accéder à. Pour qu'on puisse récupérer les droits sur le code source. Et ils ont dit 100 000 €, donc lui il a mis une jauge et tout le monde a participé. En deux semaines, on avait rempli la jauge, quoi. C'était en 2002, donc c'était au tout début. Et donc je me suis dit, ça c'est quelque chose qui peut marcher pour l'audiovisuel, parce que autant le logiciel libre, c'est assez grumeleux, on est sur une logique de petites pages, de petits bouts de code, et ce qui correspond bien, par exemple, ce pourrait correspondre au remix pour l'audiovisuel, mais souvent quand même dans la partie artistique, souvent on part quand même une page blanche, on n'est pas dans le même équilibre que dans le logiciel, mais avec cet exemple de Blender qui faisait ranger comme ça 100 000 € de code source d'un coup dans ce licencié, je me suis dit ça c'est quelque chose d'intéressant. Bon, du coup, je me suis dit je vais partir de ça, je vais l'étoffer, j'ai branché des trucs dessus, tout ça, j'ai fait mon outil de paiement. En fait, je suis parti tête baissée en me disant je vais faire tout ça parce que. Avec l'ordre, je ne peux pas faire autrement, mais si j'étais à faire aujourd'hui, je ne le referais pas du tout. Mais c'était comme ça, c'est comme ça, c'est maintenant que j'ai réussi à amorcer le machin et à voir où c'était bien de s'en aller. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne, donc ça a été très utile pour amorcer la bombe, mais maintenant, c'est plutôt. Je réponds à une demande, ça m'a permis d'identifier une demande, maintenant je réponds à une demande. Mais pour identifier cette demande, j'ai d'abord dû créer une offre et je suis parti hier, mais c'est un peu n'importe quoi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme j'ai, du tout, ou pas comme j'avais pensé au départ. Et je pense pas que je pouvais faire autrement. Après pouvoir arriver à ces conclusions et à trouver un outil qui répond vraiment à tous les cas de figure que j'ai pu rencontrer autour de ces expérimentations. D'autres questions ? Comment se gère les fonds ? Ah oui, alors il y a une dimension effectivement financière qui est assez importante. Là aussi, quand je parle de sujets que j'ai dû pas mal approfondir, il y a le droit, j'ai pas les droits d'auteur et l'économie, il y a aussi une bonne partie finance. C'est assez particulier de manipuler de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est réservé aux banques normalement, donc il y a des astuces. Alors à l'époque, c'était vraiment. C'était plutôt un vide, on va dire, juridique. Aujourd'hui, on est à peu près sûr que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que dans tous les pays, la législation fonctionne comme ça. On prend le statut de séquestre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. On n'a pas le droit de faire fructifier l'argent, c'est pas notre argent. On est juste un outil qui exécute des ordres donnés par les utilisateurs, donc en fait on ne fait que faire ce que les utilisateurs nous disent, donc c'est pas mon argent, c'est bien le leur, et je n'agis pas comme une banque.
Donc c'est la seule façon de pouvoir boucler de l'argent et de faire des modèles économiques au nom de tiers de façon légale. Et ce qui va être zappé dans ma prochaine plateforme, parce que comme je vous dis, j'ai enlevé plein de trucs que j'avais mis dedans, j'ai y compris dans un premier temps enlever la partie porte-monnaie, donc la partie paiement, ça va se brancher, ce sera une API, c'est pour les programmeurs, c'est quelque chose de très bas niveau, c'est vraiment pour les programmeurs qui va se brancher sur l'existant. Parce que là, j'ai développé tous les modules dans la plateforme. Et dans la prochaine version, je développerai et tout, je fais juste la coordination, la base de données, et ça se branche sur PayPal, ça se branche sur les caisses enregistrées, ça se branche sur les téléphones portables, ça se branche sur les sites de e-commerce, etc. Et j'ai pas à redévelopper tout ça. Alors que là, j'avais vraiment tout redéveloppé. J'avais développé ce système de compression vidéo, donc j'ai tous les problèmes d'hébergement, de même de juridique liés à l'hiver, d'hébergement, les problèmes fiscaux, etc. Tout ça, c'est parti, ça va dégager, et vous pouvez m'occuper vraiment très bien de la seule partie transparente, traçabilité sur les échanges de valeurs. Parce qu'on est en transparence juridique, puisqu'on va attention. Le statut du donateur, c'est quoi? Il est mécène, mais est-ce qu'il est coproducteur? Enfin, est-ce qu'il y a des alors, s'il n'y a pas de contrepartie, normalement, il est donateur. Il y a plusieurs dimensions. Après, on peut toujours donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Après, il faut voir ça dépend de la fiscalité. Si on veut, par exemple, être défiscalisé sur les impôts, il faut dire ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est une chose que j'ai pas mal travaillé avec le 89, justement. Donc, ce qu'on avait trouvé comme logique fiscale la plus intéressante, c'était de faire en sorte que tous les créateurs soient une entreprise, donc au minimum auto-entrepreneur. Et à ce moment-là, les dons étaient déclarés comme des subventions. C'est en fait comme des subventions, on n'est pas taxé. En fait, il faut déclarer comme auto-entrepreneur, c'est plus simple. Et de dire que les donateurs font des subventions de particuliers vers une entreprise. Donc ça, c'est le statut le plus simple, on va dire. Et après, bon, c'est quand même la responsabilité des utilisateurs de régler ces questions fiscales, pas toutes les régler, c'est toutes les TVA différentes dans chaque pays, etc. C'est assez complexe. Mais de manière générale, je conseille ce genre de solution. Faire un peu l'avocat du diable, imaginons que le groupe avec qui vous avez travaillé sur l'album financé comme ça fasse un single avec fasse un carton médiatique auprès du public. On aurait pu imaginer que ce carton lui permette d'engranger de l'argent pour une prochaine production. Comment là, comme il est payé à la production, il n'y a pas de nouvelles recettes, donc il peut y avoir un manque à gagner, quoi. Enfin, au moins un manque à gagner d'argent pour produire de nouveaux. Alors, c'est ça qui est intéressant dans la licence Creative Commons, c'est-à-dire que ils ont mis leur nom sous Creative Commons, on n'autorise pas tout. Donc, le slogan des Creative Commons, c'est de dire Some Rights Reserved, quelques droits réservés, donc ils se réservent tous les droits d'utilisation commerciale. Donc, en fait, même s'ils autorisent les gens à partager le contenu pour un usage non commercial qui, donc, a priori, n'est pas un manque à gagner. Eux, ils sont à SACEM, c'est le premier groupe de SACEM à être passé en Creative Commons, ça fait pas longtemps que c'est autorisé. Donc, ils reçoivent des sous de SACEM, ça passe à la radio, etc. C'est un cheminement assez classique. Donc, ça change pas énormément. C'est-à-dire que cet accord SACEM Creative Commons, il est. C'est un talent qui est pas enregistré. Cet accord SACEM Creative Commons, c'est généralisé aujourd'hui ou ils ont travaillé spécifiquement eux, les Publis, parce que j'étais persuadé que ce n'est pas encore le cas en fait. Non, c'est Creative Commons France qui a fait des accords avec SACEM, ça faisait des années qu'ils travaillaient là-dessus, et moi je suivais ça de près parce que je connais les personnes qui s'occupent de ça, et dès que c'est arrivé, j'ai contacté les gens, vous pouvez y aller, donc ils l'ont fait dans l'après-midi, voilà. Mais eux, ils n'ont pas fait d'accord particulier, ils ont été les premiers à l'utiliser. Question. Dernier. Merci. Merci Camille. S'il y a d'autres questions, vous savez où le retrouver. Vous avez noté. Il y a 4 O dans son adresse. Simple. Voilà. Et puis, rendez-vous au 3e avec Creative si vous êtes en septembre, si vous n'êtes pas là. Et au suivant, octobre, novembre, etc.
Bonne journée. Merci.